Bonjour à tous. Vous pouvez suivre tous mes tatouages sur ma page Tatouvan sur Facebook. Voilà, je mettrai le lien dans la description. Donc là, j'ai fait une petite vidéo de partage sur le tatouage pour l'ombrage. Donc là, c'est un ombrage en style whip shading. Mais on va plus partir sur un effet de dot que réellement de whip shading. Là, je tatoue, j'ai fait les traits en 5 RL et je fais cet effet d'ombrage, donc whip shading, en 3 RL. Donc voilà, ce tatouage a été entièrement réalisé avec un 5 et un 3 RL en aiguille. Je répète, qu'en tatouage, n'improvisez pas, il faut respecter les règles d'hygiène, c'est très important pour les personnes que vous tatouez. Il ne faut pas se lancer à la légère, toujours bien s'entraîner sur peau synthétique avant de passer sur peau humaine, même sur vous, c'est très important. Un petit peu le bras. J'avais fait le traçage quelques semaines avant, bien sûr, mais je n'ai pas filmé. Donc il va y avoir beaucoup de passages où je vais accélérer, c'est normal, et des passages où je vais ralentir, en mettre en vitesse normale pour expliquer au maximum et vous montrer au mieux comment je fais. Donc avec cette petite caméra fixée sur mon front pour que vous voyez le mieux possible, car c'est pas évident de filmer le tatouage quand vous tatouez sans être embêté. Ma caméra également a des limites. Je n'ai pas de caméra professionnelle à ma disposition, donc l'image sera de la qualité du mieux que j'ai pu faire avec ce genre de caméra. Donc voilà, je fais plein de petits traits en 3 RL avec une vitesse assez faible au niveau de l'aiguille. Je fais un système, c'est comme si je brossais un peu en fait. Donc je pars du plus sombre où je vais appuyer le plus fort jusqu'au point le plus clair où là je vais relâcher la pression. Et pour l'ombrage, il suffit de faire pareil avec par exemple du Magnum pour avoir un ombrage diffusé. Je referai une vidéo sur ce sujet pour bien expliquer le mouvement. Donc du point le plus foncé, on appuie un peu plus fort et du point au plus clair, on relâche la pression en augmentant la vitesse légèrement. Ce qui fait qu'on va voir les points de l'aiguille qui vont augmenter au niveau de la distance d'espacement. Ou pas, on peut le faire sans augmenter avec une distance égale. C'est au bon vouloir. Le mieux, c'est de vous entraîner sur peau synthétique ou sur peau de cochon pour bien arriver à gérer ce mouvement, car il y a un coup de main à prendre quand même. Ça se fait pas comme ça. Et je le répète, car beaucoup de tatoueurs croient détenir la science infuse, mais je rappelle que c'est de l'art. C'est comme imposer à quelqu'un une façon de faire pour peindre une toile. On fait comme bon nous semble, du moment que ce soit joli. Alors il y a des choses à respecter, bien sûr, mais le but c'est quand même que ce soit joli. Voilà. Donc tous ceux qui disent faut faire comme ci, faut faire comme ça, c'est pas bien comme tu fais, mais du moment que le résultat soit bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Du moins c'est ma philosophie. Du moment que ça ne fait pas mal à la personne, qu'il n'y a pas de risque engagé, bien sûr, pour la personne, et du moment que le résultat soit joli. Voilà, car la meilleure technique, c'est celle qui fonctionne, je le répète. Voilà, tous ceux qui, par exemple, qui veulent imposer les traits en une fois, certes, c'est une façon de faire, c'est la façon de faire la plus connue de tous les tatoueurs, le trait en une fois, mais il y a d'autres façons de le faire. Moi, je le fais légèrement différemment. Voilà, ma technique fonctionne. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo à ce sujet. Et du moment qu'on a un résultat propre qui tient dans le temps, beau et en plus qui ne fait pas saigner, car je ne fais pas saigner, vous pouvez le voir.
Hein, c'est du direct, il n'y a pas de saignement. Alors, pareil, tous les tatoueurs qui disent ouais, faut que ça saigne obligatoirement un tatouage, non, c'est faux. Pour ma part, j'estime qu'un bon tatoueur ne fait pas saigner et ne laisse pas de cicatrices. Voilà, chacun sa vision des choses. Personnellement, je n'aime pas les tatouages qui sont faits avec des cicatrices, où il y a comme des boursouflures, on peut sentir le tatouage sous le doigt. Ça, ce n'est pas du tout le style de tatouage que j'aime. Et c'est pour ça que je ne fais pas cette technique. Je ne me verrais pas laisser des cicatrices aux gens, parce que là, on parle plus de scarification qu'autre chose. Car on sent pour certains vraiment les cicatrices des traits laissés qui ont été appuyés très fortement et trop lourdement. Après, je ne jette pas la pierre à ceux qui font ça. Chacun sa technique, du moment que ce soit beau. Et il y a beaucoup de tatoueurs qui appliquent cette technique et qui font de très beaux tatouages. Donc voilà, chacun sa façon de faire, ce n'est pas la mienne. Mais du moment que ça rentre bien, au final, c'est l'essentiel. J'ajouterais aussi que les tatouages appuyés très fortement ont tendance à plus fuser. Donc le fusage, c'est l'encre qui se diffuse sous la troisième couche de la peau, donc l'hypoderme, la couche graisseuse de la peau. Quand on appuie trop fort, on va trop loin. Et donc s'il y a plus de graisse pour certains, l'encre va se diffuser dans la graisse et donc on verra cet effet buvard au niveau du tatouage. Donc c'est quand ça fuse que ça fait ça. Voilà. Et quand on appuie moins fort, comme je peux faire là par exemple, où il n'y a pas de saignement, ça limite beaucoup cet effet de fusage. Je fais une petite aparté. Certaines personnes m'ont proposé de créer une application que je ferai payer, donc payante, mais en échange, où je devrais faire des vidéos des personnes qui me posent les questions qu'ils aimeraient savoir, donc des vidéos exclues, on va dire. Ce qui m'obligerait sans doute à faire plus de vidéos, mais bon, un peu comme un prof virtuel, on va dire, voilà. Donc bah, vous me dites ce que vous en pensez, si vous aimeriez que ce genre d'application sorte. Voilà. Vous me dites si l'idée vous plaît, avec un prix, bien sûr, ça serait pas très cher l'application, hein, ça resterait correct, je sais pas, peut-être 30, 50 euros, je sais pas exactement. Je connais pas trop en fait ce monde des applications, hormis les applications que je mets sur mon téléphone, je sais pas trop combien ça. Mais bon, voilà, ça serait le prix fixe, et puis après, bah, vous pourriez poser vos questions, et en fonction de ça, je ferai plein de petites vidéos explicatives, enfin, du moins du mieux que je peux, hein, bien sûr, parce que comme je le répète, je ne suis pas un prof, je ne suis pas un tatoueur professionnel, mais mes vidéos plaisent, et on me l'a demandé, donc pourquoi pas. Voilà. Donc, bah, dites-moi si vous, l'idée vous plairait, oui ou non, et voilà. Je continuerai quand même les vidéos de tatouage, mais certes, j'en ferai pas non plus autant que si je sortais cette application, ça c'est sûr. Ça fait d'ailleurs quelque temps que je n'avais pas sorti de vidéo, et effectivement, ça pourrait peut-être me permettre d'acheter une caméra de meilleure qualité pour pouvoir mieux filmer. Donc oui, je précise pour me dire si l'idée vous plaît, vous laissez ça dans les commentaires, bien sûr. Donc revenons au tatouage, je fais voilà, toujours des petits traits un peu plus appuyés là où c'est sombre, comme si je brossais un peu. Et les traits petit à petit vont se marquer de plein de petits points, ce qui va donner un effet de dot, mais si, même si c'est dans la façon whip shading, on parle plus d'un effet de dot entre les deux, quoi. Donc je n'hésite pas à repasser là où il y a des manques au niveau de l'ombrage, là où il faut que ce soit un peu plus foncé. Donc je le répète, il est très important de bien s'entraîner sur peau synthétique avant de passer sur la peau humaine. Car l'ombrage est ce qu'il y a de plus difficile dans le tatouage, pour ma part, et pour beaucoup de tatoueurs, je pense. Donc il n'y a pas de mystère, ce qui fonctionne, c'est l'entraînement. Toujours s'entraîner, 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 encore et encore, jusqu'à arriver à un résultat très satisfaisant, où vous êtes sûr de pouvoir le reproduire sur quelqu'un.
Donc voilà, je prends le temps de bien regarder, de prendre du recul par rapport au dessin. C'est assez important de ne pas aller trop vite, car il n'y a aucun retour possible sur le tatouage une fois que c'est fait ou que c'est trop foncé. Donc voilà, j'accélère un petit peu la vidéo, car sinon on en a pour des heures. C'est pas le but. Il y a certaines choses où on n'a pas besoin forcément de voir sur un temps normal. Donc n'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire si cette vidéo vous a plu ou les améliorations que je peux apporter. Donc là, je fais des traits plus longs que les autres pour représenter le veinage des feuilles, car les feuilles ont des veinages. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, des veinages ou des veines, ou je ne sais pas. Mais c'est pour représenter ces petites imperfections des feuilles. Donc là, j'ai un réglage en voltage entre 8 et 9 volts, plus proche du 8, je crois, car il y a pas mal de monde qui vont me le demander. Mais je n'incite jamais assez aux gens de faire leurs essais, de trouver leur propre réglage, trouver le voltage qui vous correspond le mieux pour telle ou telle chose, de par vous-même. Faites vos propres expériences. Il est très important d'y aller doucement, petit à petit. Donc là, on peut voir le trait du bas qui a à la cicatrisation perdu. Je n'ai pas appuyé assez fort. Bien sûr, pour le tatouage, je vais le reprendre. Ça arrive à ces endroits-là où la peau est un peu plus élastique. Mais je préfère repasser plutôt que d'aller trop profond. Il vous arrivera sans doute en effectuant des ombrages qu'il y ait des manques à certains endroits, comme des trous dans l'ombrage. Donc il ne faut pas vous inquiéter, vous pouvez le combler, le revenir dessus, jusqu'à temps qu'il soit bien diffus. Voilà, j'avance petit à petit, feuille par feuille, pétale par pétale. Le tatouage, c'est une question de patience, prendre son temps pour pas faire de bêtises, c'est très important. Avec toujours un œil sur son modèle à côté. Car il faut toujours avoir son dessin à côté.
L'ombrage représente une bonne partie de créativité car les traits sont faits au stencil pour beaucoup. Après, d'autres tatoueurs le font directement à main levée, mais ce n'est pas mon cas. Par contre, l'ombrage, même si on a le modèle, il y a cette part de hasard, on va dire. On le fait comme ça vient, comme on le sent. Et donc, ça sera forcément différent du dessin original. Donc oui, les peaux à l'intérieur du poignet, par exemple, qui sont des peaux plus élastiques, l'encre va avoir tendance à moins tenir avec la cicatrisation, comme sur les doigts. C'est des parties où ça demande des fois des retouches. Car la peau est tellement élastique par endroits qu'elle résiste aux vibrations de la machine. Et c'est pour ça que d'ailleurs nous sommes obligés de la tendre, la peau. Il y a un slow motion assez impressionnant que je vais essayer de vous montrer. On voit la peau justement résister par rapport à l'aiguille et la peau qui se met à vibrer à la vitesse de l'aiguille. C'est assez impressionnant. Donc voilà, je me rapproche de la fin du tatouage. Ça commence à prendre forme. Et de toute manière, la place sur la carte mémoire de ma caméra commence à être full. Donc je finis par l'intérieur car c'est une manchette. Ça fait tout le tour du bras. Donc j'essaye d'essuyer le moins possible, mais avec l'ombrage, malheureusement, on est obligé d'essuyer relativement beaucoup, contrairement aux traits. Et l'essuyage peut provoquer des irritations, ça peut être très désagréable pour la personne qui se fait tatouer. Donc à y aller avec parcimonie, le plus possible du moins. Et je vais vous montrer quelques photos que vous pouvez retrouver bien sûr sur ma page Tatouvan, comme j'ai précisé au début de la vidéo. Donc voilà pour le rendu. Donc on voit très clairement ces petits points. Enfin, on voit très clairement. Dès qu'on s'éloigne un peu, on ne les voit pas. On a l'impression que c'est de l'ombrage, mais de près, on voit que c'est des petits points. Et qui forme cet ombrage. Donc un style assez particulier que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.